L'échange tendu entre Vinicius et Carlo Ancelotti. Vinicius aurait contesté les choix tactiques de Carlo Ancelotti. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé entre Carlo Ancelotti et Vinicius. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Vinicius aurait contesté les choix tactiques de Carlo Ancelotti. Visiblement, Vinicius ne comprend pas, refuse d'obéir à Carlo Ancelotti. Après, ce sont des choses qu'il y a dans le foot. Je me souviens de l'échange entre Alan et Pep Guardiola. Le tout premier match de championnat entre, je pense que c'était Burnley contre Manchester City, où Alan et Pep Guardiola ont eu des échanges vraiment, vraiment pas agréables. Donc, c'est la vie d'un groupe, c'est la vie d'un vestiaire. C'est très courant, les amis, c'est très courant. Ce n'est pas une histoire propre du Real de Madrid. Après, je pense que les deux hommes vont vraiment passer à autre chose. Ils vont se réconcilier. Donc, pour moi, je ne suis pas inquiet pour le Real de Madrid. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!